Ah, donc ouais, on peut pas améliorer sans la base, quoi. Ok. Je vais éviter de faire ce que. En fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est exactement la même chose. J'ai mis mon Simos au dernier. À la limite des 200 mètres. Je vais éviter de faire ça. Et il a descendu tout seul, ce con. Ok. On va le garer un peu plus haut. Voilà, pour être sûr qu'il descende pas, parce que. Je serais vénère s'il pète. En tout cas, pas d'épave à l'horizon. Hein. Je vois que dalle, quoi. Je pense qu'on est là, je suis beaucoup trop loin. Je pense que je suis beaucoup, beaucoup trop loin. Mais non! Oh putain, j'ai pas de pile! Oh là là, la loose! C'est quoi ce truc? Oh putain, on peut pas le ramasser? J'ai utilisé les piles pour faire les piles haute capacité et j'en ai parfaites. Essayer de prendre un peu plus de hauteur. Aïe! Oh 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 oh! Non, c'est la capsule. On l'a déjà faite, la 13. Ouais. Ouais, le module est ouvert. Fuck. Je vais réparer le Simos. Ouais, il faut qu'on recharge tout. Oh là là, c'est ouf. Ça fait. C'est pas la première fois qu'on vient dans cette forêt de champignons, quoi. Et à chaque fois, je trouve pas ce fragment, quoi. Où est-ce qu'il se cache ? Il est bizarre ce rocher. Il n'y avait pas un jeu aussi un peu dans le même genre mais sans être sur une planète alien avec des vrais fonds marins comme on les connaît, quoi. Je sais plus comment il s'appelait. Il avait l'air pas mal aussi. Merde. Il faut qu'on se fasse un chargeur de batterie haute capacité aussi. Putain, c'est pas possible. La seule épave qu'on ait trouvée, c'est celle qui est en haut des arbres champignons là. C'est la seule qu'on ait trouvée dans le coin, dans le secteur. À moins que j'ai oublié quelque chose là-dedans, quoi, mais. Mais j'ai du mal à y croire, en fait.
suis là sans... sans lampe torche. Ça risque d'être compliqué. Ouais, non, on voit que dalle, quoi. On voit que dalle. Non, c'est pas la peine. Le sonar, je pense que le sonar aidera beaucoup aussi. Pour la énième fois, je vais regarder ici, mais... Putain, les portes, elles sont chiantes de se refermer. Mais jamais sûr de, du coup d'avoir fait telle ou telle pièce, quoi. Ok, vraiment plus de batterie. Nulle part. J'en ai aucune en charge, super. C'est quoi pour faire des batteries déjà? Cuivre, champignons acides. Cuivre, on en a blindé. Il nous faut juste des champignons acides. Et ça, on a ce qu'il faut. Seulement, putain là, le truc il est dans le vide quoi. Si seulement on avait un indicateur de distance avec la salle de scanner, parce que... Oh putain, il y en a un qui est encore beaucoup plus loin en fait. Et c'est les seuls fragments... Il y en a trois quoi. C'est les seuls dans le coin. On a quoi comme autre amélioration? Amélioration de vitesse pour la salle, mais ça on l'a déjà fait je crois. Transfert des données à partir des salles de scanner vers le HUD. Non. Mais non. Quand on parle du HUD, c'est notre HUD à nous, quoi. Genre, ça nous donne les informations directement... Attends, s'il nous reste une magnétite, là... Oh, ça serait trop beau. Zéro magnétite. Oh, s'il en reste une. Oh, putain de merde. Ok, attendez. On va se faire les batteries. J'ai un truc de débris sur moi? Ah ouais. On va vider un peu l'inventaire. Donc le titane, on va le déposer. L'or, on va le déposer. L'argent, il n'y a plus de place. Je vais prendre le magnétite. On va prendre le cuivre. On va se faire quelques batteries. Je pense que c'est pas mal. Hop, nickel. Donc on a une magnétite, il nous faut un circuit. Fil de cuivre. On a plus de cuivre après. Oh, c'est pas vrai. On a plus de corail. Fuck. Il en faut deux. Ouais. Allons chercher les coraux. Oula.
franchement, le CMOS, ça change la vie quand même. On va le choyer celui-là. Éviter de péter. Où est-ce qu'on va trouver des coraux? Ok, nickel. On va se blinder en coraux. Putain, l'inventaire est déjà plein. Sérieux? Vas-y, on va... Oh merde! Il était plus bon le... Il était plus bon le poisson là. On va se ramener un truc à bouffer. Hop. Putain, il y a plus de place. Merde. Viens là, toi, petit peeper. Oh putain, mais ils ont peur de moi, ils se cassent. Faut pas avoir peur. Ouh, on est juste à côté de... J'avais pas laissé un peu de... Non, j'avais rien laissé du tout. Putain, il reste des batteries ici. C'est vrai que je les avais stockées. Attendez, on va... cuire le poiscaille. Parce que je crois que ça hydrate aussi. Ouais, ça hydrate aussi. Parfait. Vital signs stabilizing. On va récupérer les deux batteries là, hop. Il est où le CMOS? Retour à la base. Captain! J'espère qu'il y aura de l'eau. Je t'ai dit, j'avais la priorité. Donc, circuit, mon chlore. Ah, on va remettre à charger les batteries. Tant qu'à faire. Elles sont où les batteries qu'on a? Elles sont là. Toc. On va recharger le Seaglide. La lampe torche. Le scanner, il n'y a pas besoin de piles. Le réparateur. Hop, on va remettre une batterie neuve. Et on va mettre toutes les autres batteries à charger. Hop, hop. Parfait. En espérant qu'il y ait à boire. Nice! J'ai fait un circuit, mais je sais plus pourquoi. Pourquoi j'ai fait un circuit? Pourquoi j'ai fait ce fucking circuit? Je m'en souviens plus. Ah oui! Ça y est. Pour la salle de scan.
puce HUD. On est d'accord qu'on l'a pas, hein. Non. Pourquoi je peux pas le placer? Pourquoi je peux pas le placer? Mama, sister, comment tu vas? T'es en forme? Le Fufu, bienvenue. Welcome. Comment ça se passe, les cours? Tout ça, la vie, le confinement? Parce que toi, t'es sur Paris aussi. Tu vas être confiné et tu vas être confiné. Ouais, c'est le week-end. Week-end de confiné. Pourquoi je ne peux pas placer cette puce là, là, c'est pas là qu'elle va. Elle va où? Elle va là. Oh putain, le pied. Oh putain, le pied. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais. C'est trop bien. Oh, mais ça change la vie. Pourquoi j'ai deux boussoles? Wesh, enfin, qu'est-ce qui... Pourquoi j'ai deux boussoles? Un truc qui sert strictement à rien. Ah, mais le... Oh là 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 là, mon dieu. Mais non, mais c'est horrible pour trouver les fragments. Quand t'as pas d'indication et que tu regardes juste la map au départ, tu sais, dans la salle de scanner, c'est juste horrible, quoi. Et là, du coup, ouais, putain, ça va être beaucoup plus easy. Mais aussi, c'est ce jeu aussi, là, il donne aucune indication. Il t'explique pas les choses. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique les choses. Comment tu veux que je voie ce putain de fragment? C'est une blague. C'est une putain de blague. Le truc, il est caché dans les herbes. Non mais sérieusement, c'est la chambre d'immersion en plus. Comment tu veux que je trouve ce putain de truc sans avoir l'indication? Le truc, il est caché dans les herbes. Tu le vois pas? Mais oui, je regarde. Regarde le truc. Tu le vois là parce qu'il y a le truc orange. Mais je te retire ça. Qu'est-ce que tu veux voir, le fragment là? Sérieusement. Comment tu veux voir le truc? C'est sadique. Moi, je dis que c'est sadique. Mais oui, tu vois, tu me comprends, Mama. Je te remercie. Ça fait plaisir, franchement. Oh là là, l'horreur. L'horreur. Mon dieu. Mais c'est life changer. Non mais ouais, c'est impossible, quoi. Et pareil, celui-là, ça fait au moins 3 fois. Il a disparu, wesh. Pourquoi il a disparu, ce con? Il me troll. Pourquoi il a disparu? Il y a plus d'énergie dans la salle de scan. J'ai plus de power dans la salle de scan à tous les coups, c'est ça. What the fuck? Putain, mais je viens de prendre... J'ai pris cher, là. Faut éviter de sortir quand on bouge avec le CMOS, en fait. Viens là, petit poisson. On peut mettre de l'acide. Ouais, c'est ça, je suis une victime.
Dans l'histoire, en vrai, oui, je suis une victime. Moi, j'ai rien fait. J'essaie de faire bien les choses. C'est le jeu qui me veut du mal. Je vais porter plainte. Y'a que ça à faire. Mais non, y'a de... Ou alors c'était un fragment de salle d'immersion et vu qu'on l'a trouvé, il a disparu. Il aurait pu disparaître à un autre moment, quoi. Non, moi je suis pas addict. Pas du tout. Bon, voyons un petit peu. Enfin, un petit peu. Voyons tout court, en fait. Ce qu'il nous faut pour faire... Lingot de titane, c'est dans notre corde. Il en faut deux. Du lubrifiant, on en a blindé. Du plomb, on en a blindé. Non, je suis pas addict. Je pourrais le devenir. Je pourrais facilement le devenir. Bon, il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix, faut aller chercher du titane. Genre... Merci, sympa. Oh fuck. Ok, ça nous fait 4 titanes avec des débris. Si j'avais plus de temps, je pense que je sombrerais littéralement dans beaucoup de jeux que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu vois ce qui me rendait folle dans ce jeu, c'est prendre des trucs dans les armoires. Là, j'ai pas la patience de chercher. Il y a un mode que j'ai hésité à installer, en fait, qui permet de craft avec les ingrédients qui sont dans les armoires. T'as pas besoin de sortir les ingrédients. J'ai hésité à l'installer, mais je me suis dit, ça retirerait tout le charme du jeu. Du coup, je l'ai pas installé. Mais je finirai peut-être par craquer. Je sais pas, on verra. Dans Valheim, j'ai craqué, j'ai installé le mode. En fait, les développeurs, ils ont pas compris que c'était pas marrant de faire des allers-retours dans les armoires, quoi. Ouais, tu crois? Tu vas voir quand je vais revenir à Lyon, là. Je vais te faire un petit solo. Tu vas prier pour que j'arrête, quoi. T'es impatiente, toi? Non, j'aurais jamais deviné, tiens. Je suis en cours, Breath Edge. Je suis en cours. Mais du coup, j'ai commencé Subnautica en parallèle et du coup, ouais, j'ai pas continué depuis une semaine, deux semaines. Mais je compte le continuer. Par contre, Breath Edge est beaucoup plus directif. Ouais, mais c'est ce que je me disais aussi, maman. Ah, j'ai hâte aussi. 23 avril, 14 mai. T'inquiète, en plus 14 mai c'est un pont. Ça va être chambé quoi. Bah ouais, j'alterne un petit peu quoi, parce que sinon, vu que je stream pas, enfin j'ai pas énormément de temps, donc j'alterne un petit peu quoi, faut varier les plaisirs. Tu veux. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. J'ai pas le temps. C'est ça. Oh oui, mets en place la tireuse. Et puis, avec un peu de chance, il fera beau, on va pouvoir faire des barbecues. Ça va être chambé.
pas de débris. Oh, les cris de ouf. Bon, il me faut absolument du titane. Ah, mais attends, je... Avec le scanner, on peut mettre genre le titane. Ah ah. Ou alors les débris peut-être. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'aller regarder. Et au pire, faudrait que j'aille dans l'autre sens, enfin dans l'autre direction, parce que je vais toujours dans le même vers le même spot. Oh oui, oh oui. Oh là là, tu me fais baser. Ah, j'ai faim. J'ai faim, j'ai mangé pourtant ce soir. Je suis confiné. Hein. Je suis confiné, hein, tu sais, je suis en Île-de-France aussi. Hein. Mais là, c'est, on parle boulot. Et le 14 mai, on sera déconfiné. Enfin, j'espère. J'espère qu'on sera déconfiné. Normalement, c'est un mois. En théorie. Dépôt de sel, fragment. Morceau de schiste, morceau de calcaire. Eh mais attends, mais ça devient génial, en fait. Le scanner met un peu de temps à trouver les éléments. Maintenant. Peut-être qu'en mettant titane direct, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, en fait. Ce qu'il faudrait faire, morceau de calcaire. Eh, mais là, Je suis ouf. Pourquoi je le vois pas? Ah! J'en vois un, j'en vois deux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je te torture. Oh, ma petite maman. Excuse-moi. Je te torture. T'es en épreuve en mai? Ouais, mais tu vas tout déchirer. J'ai confiance en toi. Je suis bien d'accord, Marty. Bah oui. Le 14 mai, il y a une émission LDLCOL. T'as pas vu l'émission, la précédente émission, Mama? C'était quand? Putain, j'ai oublié la date. Donc c'est pour le boulot, en fait. Oh putain, c'est le pied. Nickel. On a plein de morceaux de calcaire juste à côté.